Donc on est parti maintenant pour l'épisode 6 et alors on a le nouveau bouton normalement, voilà, c'est parfait, le bouton, bah tiens, épisode 6, étage 6, pour une fois que ça correspond à peu près, c'est pas plus mal. Allez monsieur. Alors, étage 6, et on en est à, on en serait à un peu moins de la moitié, même beaucoup moins que la moitié, c'est bon, on est tranquille. C'est cool. Ah, oh, ça promet d'avoir pas mal d'épisodes dans ce let's play. Ça, c'est sympa. Des épisodes de 45 minutes. On va faire des épisodes selon les étages. Voilà, je pense que ça permet aussi d'avoir d'avoir chaque moment du jeu fait les uns avec les autres. Regarde-le qui se dandine un petit peu dans l'ascenseur. Allez, vas-y. J'ai envie de me faire plein de captures d'écran à chaque fois. Ah, on est dans un truc un peu médiéval, on dirait. Ah, oh, yes, mais c'est stylé. C'est stylé, médiéval, comme ça. Attends, y'a pas un truc là-haut? Je peux faire un truc avec les armures ou pas? Attends, je peux choper les rideaux. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, de la tunasse là-haut. Ok. Ouais, j'aime beaucoup le principe qu'il y a un thème différent à chaque étage. C'est vraiment cool. Attends. Tiens. Mais... Allez, ça c'est fait. Je pense qu'il n'y a pas un truc là. Genre là-haut, dans la grille. Peut-être pas. Ok. Allez, c'est parti. Ah mais c'était pas le truc de la démo ça avec le cheval à la fin? Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est celui que j'avais testé justement. Oh c'est stylé. On a fait qu'un tout petit morceau. Du coup... on va tout découvrir. Bon, on va envoyer Luigi ici. Attends, il y a un coffre là derrière. Comment je fais pour y aller? Ah bah attends, si, ça doit être ça. Je me demande si c'est pas un truc à ouvrir avec ça. J'arrive pas à voir comment il peut passer Luigi. Peut-être par l'autre côté. On va voir. Voilà. Ah peut-être ici. Ah, ben oui, exact. Merci. Hop, et ouverture. Voilà, c'est ça qu'on veut. La tunasse. Ok. Ok. Allez, en avant. Alors, il y a ça à ouvrir. C'est la physique est super bien foutue dans le jeu. Attends. Ah, d'accord. Bon, il va falloir que je gère. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. Ok. Allez, viens là. On fait ça et on passe. Parfait. Ouverture. Je sais pas pourquoi je le sens malin. Ouais. Je peux ouvrir là? On va d'abord aller là quand même. Tu peux pas? Tu peux pas aller là? Pourquoi je peux pas aller là? Ok. Attends, je peux peut-être. Ah, je peux les tirer les armures. Attends. Évidemment que je peux tirer dessus. Évidemment, évidemment, évidemment. On récupère la thune assez vite hein, quand même. Ah, y a un rat. Attends. Je m'en occupe après. Tiens. Boum. Boum. Je l'ai pas eu. Allez, ça c'est fait. On va récupérer vite les pièces ici. Ici. Merci Baboon. Bon live, bonne soirée à tous. Merci énormément pour ton cheers. Merci beaucoup.
Merci énormément à toi. Et ben bonne soirée. Tiens, lui, il va donner pas mal d'argent, hein. Bah écoute, on va avancer puisqu'on peut pas aller à droite et à gauche. C'est étonnant. Ah, c'est ça, c'était ça. C'était l'endroit de la démo. Pour ceux qui avaient fait la démo, qui avaient pu tester comme moi, c'était l'endroit de la démo. Ouais. Paf. Ok, hop. Salut Alcanou qui vient de follow. Bienvenue. Bienvenue à toi. Allez, on récupère tout ça, on y va, on file. Je pourrais pas ouvrir là de toute façon. Il y a quelques énigmes, oui, il y a quelques énigmes dans le jeu. Il y en a certaines, on en a vu quelques-unes un petit peu retors. Enfin, il y a certaines énigmes, mais il y a surtout des choses auxquelles il faut penser, en fait, et regarder. Il faut bien penser à regarder ce qui se passe dans le jeu. Il faut bien y penser. Et pour ceux qui sont intéressés, je pense que le jeu, on l'aura terminé en 2-3 jours, vu qu'on fait en général 4, 5, 6, 7, 8 heures de live par jour. Je pense qu'on l'aura terminé en 2-3 jours, et je vous ferai le test complet très très vite. Donc là, dans les jours qui vont venir, vous aurez le test complet sur la chaîne qui va débarquer, ça va aller assez vite à mon avis. Pour le test complet du mode solo, et après on testera le mode online aussi, tous ensemble. On verra comment on peut faire. Attends. Allez hop. Oh. Eh oui, monsieur! On est un expert en aspirateur. Ça évitera que sur le stream, on me pose 50 fois la question: qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, il y aura la réponse dans le test complet qui va débarquer sous, allez, 48 heures maximum sur la chaîne. Maximum dimanche, normalement, et comme ça, au moins, vous aurez tous la réponse. Et s'il y a des gens sur le stream, n'hésitez pas à dire, à répondre ça aux gens qui posent la question, comme ça, au moins. C'est plutôt cool, parce que le jeu est super cool, mais voilà, c'est difficile de donner... C'est difficile de donner un avis là à 5h à me dire qu'est-ce que je pense du jeu. Bah j'aime beaucoup, mais je peux pas vous dire, on me demande oui quelle est la durée de vie. Mais je ne sais pas encore. Je vous dirai ça quand on l'aura terminé, tout simplement. Parce qu'on peut pas se prononcer sur la durée de vie sans l'avoir évidemment terminé. Ça va être compliqué sinon. Alors, Luigi. Hop la boum! Merci à toi. Ok, ça c'est bon. On avance. On récupère tout ça. Ok, vas-y, viens. Ah, attends, comment je fais pour passer derrière là-bas? Il doit y avoir un truc là. Il doit y avoir un passage qui est caché. Comment je dirais ? Ça doit être par là. Ah, ça doit être là-dedans peut-être. Peut-être. On va regarder. Ah, ça doit être là, regarde. C'était ici. Eh, la porte, il fallait bien la voir tout à l'heure. Hein. Ok. Yes. Oula. Ah, c'est un doré. Ah bah là ça va beaucoup mieux au niveau du doré quand la mallette a l'air chargée, hein. Évidemment, c'est le jour et la nuit. Parce que dans les épisodes précédents, pour ceux qui suivaient pas, on a vu des soucis avec la mallette. Ah bah là oui, là on est d'accord. Bon là par contre. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Là d'accord. Là, ok. Là, on est ok. Là-haut. Parfait. Boum. Allez, hop. Voilà. Bon. Oula. Allez, viens, attends. Allez, au revoir. Oula. Ok, il y a deux dorés.
Et deux dorés après, j'ai l'impression. Yes. Ok. Allez, viens là, mon ami. Paf! Alors, t'as quoi à dire là pour ta défense? Ok, ah oui, bien penser à utiliser le gyroscope ici. Boum. Oula. Oh, oh. Le petit coup qui était hyper intéressant. Ok, hop. Ok, la clé, nickel. Perfect. Je vais pouvoir faire utiliser ici. Non? Attends. Il y a un truc là-haut. Ah! Oui, il y a une échelle dedans. Ah! Attends. Peut-être qu'en passant là? Ici? C'est ouvert? Ah, mais voilà, c'était ouvert ici. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, c'est l'épée. Ah oui, c'est des petites épées qu'on récupère ici. Ok. Ok, stylé. Stylé. Ah bah par contre là il y a vraiment énormément de thunes à l'intérieur. Faut pas les oublier hein. Oula. Punaise. Allez. Hop là par ici, la nourriture. Et on avance. Ça sent l'utilisation de Luigi ça encore hein. Ça. Ok, paf. Alors. Raté. Raté, bah bien sûr. C'était pas celui-là. Ah, ok, c'était pas ça non plus, mais moi ça me va. Ouais, bah c'est pas ça non plus, mais bon. Tant pis, ça va être le dernier. Évidemment. Ah, ok. Oui. Ah ouais, d'accord. Ah, bien joué, ça. D'accord. Attends. Ah, pas mal. Joli, ça. L'utilisation du décor et de l'environnement. Pas mal. Très joli. Ah bah, ça me va, hein. Attends. Ça. Voilà, merci. Ok, et c'est parti. Très sympa ça. Allez go. Alors que je me souvienne, déjà le must c'est de faire ça. Paf. Ensuite. Paf. Ça c'est bon. Non. Attends, Luigi. Ok, ça c'est bon. Ensuite. Hop. Pouf. Hop là, merci madame. On va se mettre sur le côté. On va souffler dessus. Viens à toi. Ok, tu peux arrêter de souffler. Toi tu vas arriver, tu vas souffler dessus. Comme ça.
Moi, je suis même pas obligé parce que je peux passer comme ça. J'ai même pas besoin de le rappeler. Ok. Putain, mais ils sont combien, hein? Possible? Ok, il y a une grande pièce là. Ah oui, attends. Oui, il faut la clé. Comment ça fonctionne déjà ici? Ça. Pour ouvrir la porte. Okay. Très bien. Tiens, regarde-les en face. C'est quoi ça? Attends, je me souviens pas de ça. Ouf. Heureusement que ça lui fait rien à lui, hein. Ah oui, d'accord, c'est là-haut. Ok, allez, viens là. La physique est tellement bien gérée. Allez, hop, c'est bon. Attends, il y avait un truc ici. Ah ah, la tunasse. Je récupère. Attends, c'est un escalier, ça. Ah ah. Tiens, regarde. Et on aurait pu louper, hein. Est-ce que c'est pas la clé du coffre? Voilà, c'est ça qu'on veut, monsieur. Oui, Jay. Alors, il y a des pièces en haut. Ouais, il y a même un diamant, il y a même un lingot. Je dirais pas non au lingot. Là, merci. Allez. Go. Allez, retourne là-dedans. Tranquillou. Ah, par contre, j'aurais bien aimé récupérer le... Salut, Cryptaloc. Merci beaucoup de ton follow. Ok. Putain, on va capturer plein là. Truc de ouf. Ok, c'est bon, les amis. Alors par contre, c'est la... C'est elle là-haut. Attends, c'est pas ça? C'est pas ce truc là? C'est pas ça? Ah, c'est ça. Ok. J'utilise Luigi. On récupère. Ça c'est fait. Ok. Ok, pour l'instant, ça va. On est bon. Ouvre ça. Très bien. Alors, ok. Raté. Truc là. Raté, c'était l'autre. Ok. Ça c'est fait. Allez. Ah, joli. Ah, c'est bien que le jeu joue avec les spécificités de la chose. C'est joli. Allez, dépêche-toi. Là, faut qu'on se dépêche de les buter parce que sinon... Sinon, il y a le mur qui avance. Le jeu joue avec lui-même. C'est très, très sympa, ça. Attends, vite, 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 vite. Putain, on est dans saut quoi. On est dans saut. Allez, viens là. Par contre, il y avait un coffre là.
peut-être attendre que ça soit ton max. Et puis après, une fois que ça va se faire ça, ça va repartir dans l'autre sens. Peut-être. Oui ou non? Parce qu'il y avait un coffre là. Je suis pas aveugle. Ah, voilà. Bah peut-être pas, il me semble avoir vu un coffre. Bon bah j'ai peut-être halluciné. Je sais pas. J'ai dû halluciner, il me semble avoir vu un coffre. C'est étrange. Alors, oula, il me suit du regard lui, monsieur là-haut. Alors comment je vais gérer cette salle? Ok, il y a un truc ici. On va laisser Luigi le faire. D'accord. Ok, attends, bouge pas. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. 1, 2 et 1. Parfait. Ok, c'est bon. Ok, c'était comme ça. Oh, punaise. Ah ouais, non mais ils y vont pas de main morte eux. Par contre, je peux envoyer Luigi en bas pour aller récupérer tout ce qu'il y a en dessous. Parce que là, lui, il peut y aller. Regarde. Et là, il y a des... Putain, j'étais sûr qu'il allait avoir un coffre. Punaise. Bien joué. Et le jeu joue avec lui-même. C'est assez sympa. Ça serait pas d'utiliser Luigi. Ça fait tomber des tomates, ça. Attends. Mais ça peut faire rien. Ah ouais. Alors attends. Merci Olimatix pour ton follow. Bienvenue. Alors. Ok, c'est ça. Ok. Attends, par contre. Ouf. C'était pas ça que je voulais faire. Pas du tout. Ah, mais attends, mais les rails, ils sont pétés au milieu. Ok, je vais faire avancer petit à petit. Pour le... Oui, c'est pété au milieu. À moins que... Ah non, ok. Je fais avancer ça, du coup. Il y a ce truc-là. Là. Et après, je fais bouger le chariot en lui-même. Oui. De lire le chat, ça va être plus simple. Pour éviter tous les risques de quoi que ce soit, je vais arrêter de lire le chat. Oh purée! Ok. Thank you.
Ah! Allez, saute! Ok. C'est ça, Saku, oui, t'as raison. T'es pas censé taffer, Saku, au fait? Plutôt qu'être sur le stream? Vu que tu peux pas streamer, toi? Hein? Ah ouais, ça stream pas, mais ça vient insulter sur les streams. Quand tu vas, mec. Je sais pas, c'est à partir de samedi. Ah! D'accord. Mais ça suffit, oui, tu viens, oui. Dis donc. Là. Mais ça va, écoute, tu reconnais le lieu, c'est là où on avait testé la démo. Alors, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de passages que pour la démo, ils ont enlevé. C'est amusant. C'est l'étage où on avait fait la démo avec le chevalier et tout. Salle du trésor découverte. Oh yeah. J'ai trouvé la salle du trésor, tu crois quoi? Évidemment. Bah tu connais déjà cet étage là. Allez hop. Hello. Sauf que je me souviens plus comment on bat le boss, donc on va voir. Je sais plus. Ouais, il y a un passage pour la démo qu'ils avaient enlevé. Il y a bah, toutes les salles d'énigmes autour. Il y a plein de salles d'énigmes qu'ils avaient enlevé. Ah oui, c'est bon, il a pas l'air compliqué celui-là. Ouais, ça va vite revenir parce que je vois la cible et tout. Hop là. Ok, alors. Il me charge. Viens là! Cavalier du démon! Ah oui, d'accord, il a son bouclier. Tiens! Attends, je vais essayer de le. Est-ce que je peux lui choper son. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais d'accord, très bien. Oh là là, ça picote ça. Attends. Ok, c'était ça. Ok. Par contre, c'est un peu relou le bruit de la vie là. Vas-y, récupère de la vie. Ok, super. Oh, punaise. Ouais, c'est pas bon ça. On est bon. Ok. Faut que je le prenne vraiment quand il est en train de me charger. Sinon je peux pas. Ok. Ok, on attend un peu. Ah super, t'as un cœur qui est là. Vas-y, charge. Vas-y, viens. Vas-y. Vas-y. Boum. Oh, le tir ralenti. Oh yeah! Alors, on fait moins la maline, hein? Attends. Merde, c'est ça que je vais faire. Non, c'est pas ça que je vais faire! Ah, oh, punaise! Punaise. Aïe! Comment je le chope celui-là? Je chope avec Luigi. Alors non. Ah bah tiens, première utilisation de l'os, on va voir ce que ça donne. Comment ça se passe avec l'os? Stylé! Ah mais il l'a mangé pour nous. Salut Splat, merci de ton follow. Ok. Bon. Comment je le chope celui-là?
Comment je le chope? Ah, d'accord, il faut juste que... D'accord. C'était juste ça, en fait. Il faut juste que je le laisse s'épuiser. Eh ouais. Je voulais absolument l'attaquer en direct. C'était pas une bonne idée. Ok, je vais pas l'attaquer en direct. Ok, le laisser s'épuiser. Boum. Ok, il a pas s'épuisé. Et c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, monsieur, on rentre là-dedans. Nickel. Paf. Le petit bouton d'ascenseur qui fait du bien. Et voilà, le jeu était parti. Merci beaucoup. Ah, merci. Bon, on a utilisé un os, mais au moins, ça a permis de voir aussi ce que ça donnait quand ça l'utilise. Bon, en fait, c'est juste que le chien nous lèche le visage. C'est tout. C'est tout. Ok. Allez, récupère les pièces. Alors, ouais. Bon, là, y a pas grand chose en pièces, mais c'est déjà ça. Allez, vas-y, let's go. Et bah, bisous à ceux qui partent pour pas se faire spoiler. Bisous. Je vais pouvoir récupérer ça aussi encore. Ok. Allez, c'est parti. Tiens, récupère les pièces aussi, par contre. Oh ouais. Allez, parfait ça. On en a combien? On en est à 3, 4, 4 sur 6. C'est ça? Je peux regarder. Ah ok, c'est bon. Bon, ça c'est ouvert. Et bah, let's go. Parfait. Alors par contre... Allez, c'était les pièces en dessous, d'accord. Attends. Viens là. Paf. On va réouvrir. Bah non, bah non. Bah oui, peut-être. Idiot. Allez, reviens. Bon, j'ai loupé plein de trucs. Sinon, faudra qu'on revienne. Parce qu'il y a plein. Attends. Si, ça, je peux l'attraper, ça, là-haut. Ça, je peux l'attraper, on dirait. Attends. Non. Ici. Là. Descends un peu. À droite. Ah non, peut-être pas. Je pensais. Non, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter l'épisode 6 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au labo. Paf. On va faire ça à la fin de chaque épisode. On va retourner au labo. On va racheter ce qui nous manque. Ça, c'est stylé, ça. J'adore. On va passer au labo. On va racheter un os. Et on va remettre les fantômes dans le... Parce qu'on en a attrapé pas mal, en fait, au final. Et après on passera à l'épisode 7 avec bah justement le niveau 7, c'est cool. L'étage 7. Alors qu'est-ce qu'on avait attrapé en fantôme? C'est un fantôme rare, fantôme classique. Ça c'est les boss. Non, c'est les boues ça. Ça c'est les boues, on les a pas encore attrapés. Un fantôme notable. Peter le porteur, Dominique la domestique, Virgile le vigile, Crème brûlée, non mais j'hallucine. Fausse note et Charles Minus. Attends, y'en a combien des fantômes notables? Ça va, y'en a encore pas mal. Hein. C'est cool. Y'en a encore pas mal. Hein. Très bien. Bon, ça c'est bon, on va passer au magasin. Boutique virtuelle. On va racheter un os. Parce que y a eu comme un os. Très bien, 0 en réserve. Et on va acheter ça. Parfait. Et ça va pas la peine. Très bien. Eh bien écoutez, ça va être la fin de cet épisode 6. Et on se retrouvera pour, eh bien, l'épisode 7.